Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour vous expliquer comment utiliser l'installateur de Facile PC pour pouvoir bénéficier de nos services. Pour ce faire, nous allons aller dans l'icône Windows, tous les programmes, Internet Explorer. Nous allons nous rendre à l'url suivante www.facilepc.fr slash installer.php, ce qui va nous permettre d'accéder Automatiquement à la page de téléchargement de l'installateur Facile PC. Dans la partie droite, vous avez un encadré qui va vous permettre de télécharger le programme d'une taille de 161 mégas avec une durée moyenne de téléchargement de 5 minutes, qui sera plus ou moins long selon votre type de connexion ADSL. Pour ce faire, vous allez cliquer gauche sur l'icône Facile PC et vous allez cliquer sur Enregistrer dans l'assistant d'Internet Explorer. Nous allons cliquer gauche sur afficher le téléchargement pour visualiser la progression du euh, téléchargement de notre application. Une fois le téléchargement terminé, nous nous retrouvons pour pouvoir procéder à l'installation. Voilà, l'installation est terminée, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur Exécuter. Un assistant d'installation va s'ouvrir, je vous conseille de le placer dans un répertoire, par exemple dans mes documents. Et vous cliquez gauche sur extraire. L'extraction sera plus ou moins longue selon la puissance de votre machine, mais c'est très rapide. Une fois terminé, nous allons aller dans le répertoire Mes documents. Et vous allez avoir ici un exécutable qui va s'appeler Facile PC. Start.exe. Donc je vais l'agrandir un peu plus. Voilà. Et vous faites un double clic gauche dessus pour pouvoir le lancer. Un message va vous informer que vous avez absolument besoin de la dernière version de Java. Donc vous cliquez gauche sur OK. Et automatiquement, la page pour l'installation de Java va se lancer. Vous cliquez gauche sur Installer pour pouvoir procéder à l'installation du programme Java. L'installation de Java est terminée, donc il vous informe que tout s'est déroulé correctement. Vous cliquez gauche sur fermer. Ne tenez pas compte de la page qui s'ouvre puisqu'on va vous demander de vérifier la dernière version de Java. Mais pour information, tout a été activé, tout a été installé correctement. Donc je vous conseille de fermer cette fenêtre et de ne pas en tenir compte. Nous allons maintenant nous diriger dans le répertoire où nous avons extrait l'ensemble des fichiers. Nécessaire à l'installation euh, du lanceur Facile PC, nous allons cliquer ici sur Documents et double-clic gauche sur l'icône Facile PC Start.exe. Un mini assistant d'installation va se lancer et nous allons cliquer gauche sur Installer Facile PC sur votre ordinateur. Au préalable, je vais créer un dossier, je vais mettre DVD Facile PC et je vous conseille d'insérer votre DVD de formation que vous avez pu acheter sur le site Facile PC. Pour ce faire, on clique sur installer Facile PC sur votre ordinateur. Et nous allons choisir tout simplement le répertoire que nous venons de créer pour pouvoir installer notre logiciel. On clique gauche sur installer dans le dossier sélectionné. Vous allez voir, c'est très rapide. Et automatiquement, votre DVD, puisqu'il est dans votre lecteur, eh bien, il va se lancer. Vous voyez, la petite roue tourne. Il est en train de chercher. Voilà qui est fait. Vous arrivez l'interface pour pouvoir bénéficier de nos services. Vous avez vu, ça a été simple et rapide au niveau de l'installation du logiciel. Il ne vous reste plus maintenant qu'à naviguer dans votre DVD pour pouvoir bénéficier de nos services. Au passage, un raccourci a été créé pour pouvoir lancer l'interface de votre DVD. Regardez si je fais un double clic gauche dessus. On va exactement avoir eh bien, le même résultat que tout à l'heure à la fin de l'installation. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon amusement avec nos DVD de formation et on se dit à très bientôt pour un prochain numéro.